Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est dans les rues de Paris. Hop, on est juste devant l'appareil Games Week, c'est juste derrière moi. Donc là, on va aller juste acheter des petites clopes. Là, je suis avec le poteau Kings à côté. Et c'est un fumeur, donc on va aller acheter ses petites cigarettes. Après, on va aller à l'appareil Games Week. Il y a déjà un peu d'attente là, il est tôt, il est 8h30. Ça ouvre à 9h. Je vois, il y a un peu de queue même du côté des youtubeurs. On va mettre un petit peu de temps, c'est pas grave, on est patient. Et puis à 11h, il y a le poteau Mox qui arrive. Voilà, donc j'ai filmé un petit peu la rencontre avec les abonnés aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer d'aller tester The Division, on va essayer aussi. Et puis voilà, un petit peu de CERN encore ce matin, mais bon. Bon allez, à tout à l'heure les potes. Et voilà les potes, on vient juste d'arriver, franchement, on a déconné, on a fait la queue avec tout le monde alors qu'on avait des accréditations. On a attendu une demi-heure, on a vu qu'il y avait un petit passage. Oh, il y a le Kings derrière. Et on est rentré en 5 minutes, on a fait les cons, on voyait un peu derrière. Ah, il est déjà blindé, ça vient juste d'ouvrir les gars, il y a 5 minutes, c'est déjà blindé. On va essayer d'aller à The Division pour voir là tranquillement. Et puis bah, à tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu tout ça. La réponse était évidente. Alors les gars, je vous installe sur cette table-là. On va faire monter trois équipes avec nous. Alors Yoda, si tu veux bien, tu te laisses te prendre ce poste-là. Comme ça, tu auras le droit à l'écran géant. Franchement, on a fait de la merde. Ah ben, je trouve ça absolument magnifique. La ah, c'est sûr, on va péter un peu la tour, ça va bien. Ah, nickel. Voilà, là, les gars, on fait un petit comme ça. Là. Voilà. Et Yoga, il a fait combien, Yoga? 8,47. The world ain't all sunshine and rainbows.
It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know... Et re les potes, alors là on sort juste de la scène Destiny. On nous a annoncé, on n'était pas au courant. Je suis avec... Oh putain, franchement, énorme, énorme. Alors je suis avec... Il y a Kings et il y a Mox, regardez. Et là, en fait, bah là, alors attention pour les mineurs, c'est pas bien. Alors là, c'est la petite récompense après l'effort. On vient de passer sur la scène, on a fait la Sous Sabre 2, on est très loin du record. Mais c'était pas le principal, franchement. Je vous remercie énormément, vous avez été très nombreux à venir me voir. Il y avait tous les âges, des plus jeunes, même des plus âgés. Barberousse. Il y avait des plus jeunes, même des personnes plus âgées. Et franchement, j'ai un truc à dire, c'est que la communauté Destiny, bah, elle est vraiment énorme. Et je vous remercie énormément. Continuez comme ça, franchement. Faut savoir une chose, c'est que quand je vous rencontre comme ça dans des événements, et ben en fait, je suis aussi heureux de vous voir que vous, heureux de me voir moi. Et voilà, ça m'apporte vraiment beaucoup de soutien. Et continuez comme ça, et j'espère que la prochaine fois, je pourrai être accompagné de Lady. Elle était pas là, elle a commencé un nouveau boulot là. Donc voilà, je vous souhaite d'ailleurs bonne chance. Et de toute façon, je la verrai avant que la vidéo sorte, je pense. Voilà, et je vous dis à très bientôt, les potes. Tchuss! Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vraiment remercier toutes les personnes que j'ai vues là-bas pour leurs gentils mots, vraiment leur gentillesse, vraiment un grand merci à vous. J'ai une énorme pensée pour les personnes que j'ai pas pu rencontrer, toutes les personnes qui aimeraient bien être présentes lors de ces événements et qui peuvent malheureusement pas se déplacer. J'ai une grosse pensée envers vous, j'espère un jour pouvoir vous rencontrer vous aussi. Une mention spéciale pour la team Elite of Darkness avec qui on a passé la dernière soirée à la Paris Games Week. Voilà, j'avais lâché un petit tweet. Ils nous ont accompagnés, donc on a vraiment passé une super soirée, restaurant, on a fini dans un bar. Franchement, c'était super sympa et j'espère refaire ça l'année prochaine avec encore plus de personnes. Je vous dis à très bientôt et encore vraiment un énorme merci à tous. Prenez soin de vous les potes. Tchuss!